Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire pour ce dimanche le 2 juin 2024. Notre édition la commence tout de suite avec ce compte-rendu. Le président Abdel Fattah el-Sissi a reçu hier le sénateur américain Lindsey Graham, chef de la minorité républicaine de la sous-commission des crédits des opérations étrangères du Sénat américain, en présence du ministre des Affaires étrangères Sameh Shoukry et du chef des renseignements généraux Abbas Kamel. Le sénateur Graham a salué le rôle central et essentiel de l'Égypte dans le soutien de la sécurité et de la stabilité dans la région, ainsi que le partenariat stratégique entre l'Égypte et les États-Unis. Pour plus de détails, voici un commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sissi a reçu le sénateur Lindsey Graham, chef de la minorité républicaine de la sous-commission des crédits des opérations étrangères du Sénat américain, en présence du ministre des Affaires étrangères Sameh Shoukry et du chef des renseignements généraux Abbas Kamel. Au cours de la réunion, le sénateur Graham a salué le rôle central et essentiel de l'Égypte dans le soutien de la sécurité et de la stabilité dans la région, ainsi que le partenariat stratégique entre l'Égypte et les États-Unis, dont les crises régionales et mondiales successives ont prouvé l'importance de poursuivre les efforts pour le renforcer, car il est l'un des piliers les plus importants de la stabilité régionale, a déclaré le porte-parole officiel de la présidence de la République, notant les efforts et la médiation de l'Égypte pour contenir la situation dans la bande de Gaza et appréciant les charges que l'Égypte supporte pour mettre en œuvre l'aide d'urgence. Le porte-parole officiel a ajouté que le sénateur Graham a tenu à écouter la vision du président sur les moyens de résoudre la crise dans la bande de Gaza. À cet égard, le président a souligné l'importance des efforts internationaux concertés pour arrêter la guerre et empêcher l'expansion de ses répercussions humanitaires et sécuritaires, mettant en garde contre le danger de la poursuite des opérations militaires israéliennes dans la ville palestinienne de Rafah et l'aggravation associée de la catastrophe humanitaire subie par le peuple de la bande, ainsi que ses implications pour la sécurité régionale. Et pour plus d'explications sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Son Excellence, ambassadeur Metrat Miligi, ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères, pour parler de cette visite du sénateur Lindsey Graham et son entretien avec le président Abdel Fattah el-Sissi. Bonjour, Votre Excellence. Bonjour à vous. Alors, quand on parle de cette visite hier du sénateur américain Lindsey Graham et de sa rencontre avec le président de la République, avec également le ministre des Affaires étrangères et le chef des services de généraux de renseignement, comment voyez-vous cette réunion? Alors, premièrement, il est très important de marquer l'importance de cette visite, étant donné que une personnalité controversielle comme oui. celle du sénateur Lindsey Graham, j'ai trouvé beaucoup de mécontentement à propos de sa visite. Mais je trouve que c'est très important de montrer à quel point l'Égypte est impliquée à aider le peuple palestinien, que ça. Même une personnalité comme telle que le sénateur Graham sera reçue par la présidence pour lui expliquer exactement la situation. N'oublions pas que le sénateur a eu des opinions qui étaient beaucoup, si j'ose dire même le mot, fanatiques en ce qui concerne le soutien d'Israël, au point oui. qu'il n'avait pas d'objection d'utiliser des bombes nucléaires contre la bande de Gaza. Mmh. Cela dit, si la présidence choisit de recevoir, sur sa demande certainement, du sénateur Graham, cela veut dire que il veut entendre le point de vue égyptien, il s'attache à comprendre exactement la vérité des choses, et c'est pour ça que cette visite gagne une importance très importante à ce moment critique de la cause palestinienne et du génocide qui est perpétré contre le peuple palestinien. J'en suis sûr que la présence du chef des renseignements secrets et le ministre des Affaires étrangères oui. sollicite qu'il y a eu des conversations et des explications à la vraie position de l'Égypte, la situation dans les territoires occupés, de sorte qu'il peut avoir une autre vision à part celle qu'il avait avant. Et c'est pour ça que je trouve que c'était très important et que ce mécontentement public n'a pas le droit d'y être, parce qu'il est très important d'expliquer le vrai point
d'Égypte sur ce conflit. Oui. Est-ce qu'on peut parler que cette réunion a à faire avec la révélation par le président américain Joe Biden de la nouvelle feuille de route pour arriver à une trêve dans la bande de Gaza? Certainement, cette initiative américaine, ou plutôt israélienne, telle que l'a précisé le président Biden, oui, et que l'Égypte soutient tous les efforts qui sont déployés, que ce soit par les États-Unis ou même Israël ou par Hamas. Nous, on est là pour entendre, et c'est ça le rôle d'un médiateur, oui, et pour trouver une solution finale à cette crise qui est en train de prendre les vies des Palestiniens davantage. Et je trouve qu'il est très important d'essayer de trouver une solution parmi tout ce sang et ce génocide perpétré par l'armée israélienne contre le peuple palestinien. Mmh. Alors, non, c'est sûr que cette question a été discutée. On verra le résultat bientôt, une fois que si cette initiative sera vraiment exécuté, parce que selon ce qu'on a vu jusqu'à présent, que Israël continue d'une manière très très difficile à continuer à avec son génocide. On a vu il y a quelques jours deux massacres consécutifs qui ont fait plus de 100 morts et que cela n'a pas jusqu'à maintenant été à solliciter une réaction de la part du président Biden ou de l'administration américaine. Cela dit, on a entendu tous le président Biden demander à Israël qu'il doive accepter cette initiative, étant donné que c'est la seule solution devant nous, avant de continuer avec un bain de sang contre les Palestiniens. D'autant plus que cette initiative a reçu une approbation positive de la part du Hamas. Pas seulement cela, mais l'initiative, elle débute de la part, selon le président Biden, de la part d'Israël même. Oui. Ce serait plus bizarre qu'Israël, qui a proposé l'initiative en espérant que Hamas va la refuser, que maintenant c'est Israël qui continue avec son génocide, malgré l'acceptation de tous les partis d'implémenter sa propre initiative. Espérons pour le mieux. Votre Excellence, ambassadeur Metrat Miligi, nous tenons à vous remercier énormément de vos explications. Je répète que vous êtes ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères. Merci à vous. Et nous poursuivons, chers téléspectateurs, avec cette information. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a reçu un appel téléphonique du secrétaire d'État américain, Anthony Blinken. Selon le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, M. Blinken a contacté M. Shoukry pour discuter de la situation dans la bande de Gaza. Les deux ministres ont examiné la proposition avancée par le président américain Joe Biden concernant le cessez-le-feu à Gaza, ainsi que les efforts de médiation déployés par l'Égypte, le Qatar et les États-Unis. Et en effet, les médiateurs égyptiens, américains et qatariens ont appelé hier Israël et le Hamas palestinien à finaliser un accord de cessez-le-feu sur la base du plan annoncé par le président américain Joe Biden au 8e mois de leur guerre dans la bande de Gaza. Vendredi soir, M. Biden a annoncé une feuille de route proposée selon lui par Israël qui vise à parvenir par étapes et sous conditions à un cessez-le-feu permanent, et il a appelé le Hamas à l'accepter. La première phase serait un cessez-le-feu avec un retrait israélien des zones densément peuplées de Gaza pour une durée de 6 semaines. Pour sa part, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a tenu à réaffirmer les conditions d'Israël pour un cessez-le-feu permanent dans le cadre de ce plan, la destruction du Hamas, la libération de tous les otages et l'assurance que Gaza ne posera plus de menaces à l'État israélien. Et le Premier ministre, Dr Mustapha Madbouly, a confirmé que le gouvernement égyptien disposait d'un plan ambitieux pour renforcer ses capacités dans le domaine de l'utilisation des énergies renouvelables et nouvelables, en particulier l'énergie générée à partir de l'hydrogène vert. Pour plus de détails, voici un commentaire. Le Premier ministre, Mustapha Madbouly, a confirmé que le gouvernement égyptien
disposait d'un plan ambitieux pour renforcer ses capacités dans le domaine de l'utilisation des énergies nouvelles et renouvelables, en particulier l'énergie générée à partir de l'hydrogène vert, qui contribue à réduire la dépendance aux carburants traditionnels et les émissions de carbone. Monsieur Mabouli a dit que l'Égypte avait d'énormes capacités, qu'il a qualifié de devenir un centre régional de production et d'exportation d'hydrogène vert, surtout à la lumière de la stratégie de l'hydrogène vert qui a été approuvée et accorde de nombreux avantages et incitations à ce secteur prometteur, en phase avec les efforts de l'État visant à attirer les investissements locaux et mondiaux et avec les exigences du développement durable. Cette déclaration a été faite lors d'un entretien tenu par le Premier ministre dans la nouvelle capitale administrative pour suivre l'avancement de ces projets. Et le conseil d'administration du dialogue national pour la formation s'est réuni au siège de l'Académie pour poursuivre les activités du dialogue. Le conseil a discuté de plusieurs questions, notamment de ce qui a été fait par le gouvernement pour mettre en œuvre les résultats de la première phase du dialogue et définir les contrôles et les mécanismes de travail du comité issu du conseil d'administration, suivi en coordination avec le gouvernement pour assurer la mise en œuvre rapide de ces résultats, ainsi que la fixation d'un calendrier pour la réunion à la lumière de l'évaluation des comités et des sujets de dialogue. L'agenda du dialogue national a inclus les sujets liés à la sécurité nationale et à la politique étrangère de l'Égypte en application des directives du président de la République. Et le ministère de l'Intérieur a annoncé le lancement de la 26e phase de l'initiative Kuluna Wahed, où nous sommes tous un, qui a débuté pour une période d'un mois, coïncidant avec la prochaine fête de Eid al-Adha ou la fête du sacrifice, afin de fournir à toutes les familles égyptiennes des produits alimentaires et non alimentaires de haute qualité à des prix réduits allant jusqu'à 40%. Le ministère continue de fournir toutes les denrées alimentaires et non alimentaires à des prix réduits par l'intermédiaire de 1026 points de vente fixes et mobiles, de chapiteaux installés sur les places et dans les rues principales et des caravanes, du système Aman du ministère de l'Intérieur. Et ceci conclut, chers téléspectateurs, notre édition d'aujourd'hui de Midi au Caire. Je vous remercie de votre attention et je vous donne demain rendez-vous avec une nouvelle équipe. Au revoir.